Et bonjour à tous, ici Petit Seb en direct de Killing Floor 2 pour ce nouveau let's play en compagnie de Pierrot. Salut à tous, salut Seb. Salut. Pierrot, tu vas bien? Oui, pleine forme. Pleine forme. Donc, pour ce premier épisode, donc partie en normal, donc on a mis seulement 7 vagues, donc partie durée moyenne pour... Sinon on s'endort entre les vagues. Ouais voilà, le temps entre les vagues est déjà long, et puis en plus c'est en normal. Vas-y, couteau là. Pourquoi tu utilises une arme là? Couteau. Couteau, y'a que ça devrait. Mais... Toi, regarde-moi. Mais il en reste beaucoup. Attends. Tu crois qu'il est mort? Attends, je continue. Cool. Ouais, sait-on jamais. Fais gaffe derrière toi. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Y'a rien derrière moi. Vous avez presque anéanti cette vague. Beau boulot. Nous pourrons bientôt ouvrir le module de la vendeuse. Là, je suis en mode gros bourrin, je fais n'importe quoi, je fonce dans le tas, tout va bien. Elle est où la vendeuse? Parfait. Le module est à nouveau ouvert. Venez. C'est à mon avis celui qui est en latéral. Dans la salle avec la salle de chirurgie. Très bon travail. C'est une salle de chirurgie, ça? Oui. Ah ouais, j'avais jamais capté. Affichez les commandes d'échange et améliorez votre équipement. Donc je vends ça puisque je reste au couteau. Tout va bien. Oh, moi j'y vais en mode. Faut que ça dépote là. J'ai pas sorti le couteau, les mitraillettes, le double flingue, et c'est la fête. Moi j'économise pour avoir directement la plus grosse arme. Des aides arrivent, dépêchez-vous. Je refais la déco des pylônes en mettant des traces de couteau dessus. Ouais, c'est une solution. C'est un peu moche leur déco là, tout blanc, tout gris. Ouais, ça fait trop propre. Le temps est presque écoulé, vite! Ouais, du coup, regarde, avec le SWAT, avec le SWAT 25, j'ai le double flingue. Allez, et les dégâts augmentés 110%. Tu les as pris en blanc? Oui. Ouais, mais c'est pas marrant parce que moi j'ai le temps de tuer personne. En V, pour la peine. Je pars loin. Un très bon début, mais il reste beaucoup de Z. T'es parti avec les mobs, hein. J'en ai plus un. Trop bien. T'es parti avec, hein, de toute façon. Là. Enfoiré. Il y en a un qui a réussi à me tirer une roquette. Ah. Je me disais bien que j'avais entendu le lance-roquette. Mais alors on s'est plus visé. Allez, faisons sonner le portique. Voilà. Les vitres, c'est pour les tafioles. Moi, je passe à travers. Excellent. Il n'en reste presque plus. J'ai que dalle en tuer en fait. Encore des munitions pour moi. Je récupère toutes les munitions, tu pourras plus tirer après. C'était le dernier. Ah bon, d'ici à ce que j'ai plus de balles. Approvisionnement. Magnifique. Vous êtes le MVP de ce tour, comment dire? Ouais, je suis le MVP du tour. Ah, trop bien. Ça veut dire quoi? Le MVP? Ouais. C'est que c'est toi qui as fait le plus de kills dans le tour. Hein? C'est que c'est toi qui as fait le plus de kills dans la partie. Voilà, cette partie va mal finir. Si je commence à être celui qui fait le plus de kills. Ah. Quand
Ça peut te rassurer, t'as encore quelques kills de retard. Tu peux être MVP encore un ou deux tours. Ouais, j'ai vu ça. Qui veut un bon morceau de viande là? un morceau de cochon bien gras. Ah voilà. Un bon gros morceau même. Un morceau de cul nu bien tendre. Je suis sur le point d'éteindre le module. Nous rappelons à notre aimable clientèle que cette vidéo est interdite aux moins de 18 ans. Merci. C'est la base. Le module est fermé. Allez sauver le monde. Pierrot, ouais, viens là. Pierrot, viens là, t'es bon à manger. Non. Je suis pas comestible. Ah, si, pour moi. Ah, oh, je lui ai coupé la tête. Toi aussi, je te coupe. La base. Ne pas s'enfermer dans un couloir. Ok, un couloir, j'y vais. Un bon début. Disons que c'est. Y'a personne, cette fois, c'est toi qui ai gardé les mobs, non? Ouais. Quelques aides de base. Ah, quelques crawlers. Un peu plus de Z basique. Il te manque un bras, Bagia, je crois. Achevez les derniers avant que je puisse ouvrir le module de la vendeuse. J'ai un lance-roquette aux fesses. Tu peux venir t'en débarrasser si tu veux. Non, non, c'est bon. J'ai un couteau très efficace. Alors tout va bien. Toi pourras me soigner si tu veux. Ça, c'est une bonne chose. Vous vous êtes enrichi. Faites-vous plaisir. Vous êtes bientôt à court de munitions. Allez, hop. Un d'argent, ça m'a donné. Achetez des munitions, vous êtes bientôt à sec. Ah. Je vais bientôt fermer, les amis. Ça, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas essuyer son couteau. Ça, c'est stylé de pouvoir l'essuyer. Ah, tu fais comment? Faut qu'il soit taché de sang. Là, il est rouge, mon couteau. Il peut pas être plus taché de sang, en fait. Eh ben, recharge. Ah, j'avais oublié la touche recharge. Dernière chance. Et si tu le fais alors qu'il est propre, il fait un. Il le fait tourner. Il le fait tourner, ça c'est stylé. Ah oui, c'est vrai, puis t'as la touche de corps à corps qui fait. Il faut s'y remettre. De nouveaux le coup des stocks. Le coup des stocks. Ah, je peux me protéger? Oui. Avec. La molette de la souris. Oui. Oh, encore un lance-roquette. Allez, toi. Ouh, yes, j'ai réussi à le faire exploser. C'est bien. Quand il est au milieu de plein de mobs et que tu réussis à le faire exploser. Oh, je me suis fait gang-bang dans un coin. Fais gaffe, toi. Je suis en train de nettoyer derrière toi parce que regarde tes points de vie, gros. Ouais, je sais, je les ai vus. Je faisais l'imbécile au couteau encore. Soigne-toi. C'est déjà fait. Vous avez presque anéanti cette vague. Bon boulot. Nous pourrons bientôt rouvrir le module de l'avant. Huit balles. Quand j'arrête d'être au couteau et que je sors le flingue, ça fait la différence. Parfait. Le module est à nouveau ouvert. Ah bah ça. Venez vous réapprovisionner. Vous avez l'air mal bien. Je vais te soigner, t'as manque cruellement de vie là. Moi aussi je vais te soigner, ça me fera de l'argent.
Ouais, tu peux encore me soigner au moins deux fois, je pense. Ouais. Bonjour. Venez chercher vos accessoires de combat. Je peux te soigner, t'es à fond. Je vais remplir un peu les munitions, là, parce que j'y suis allé vraiment tranquille pépère. Ça, je vais acheter ça. Voilà, parfait. Nous n'avons presque plus le temps, faites vos choix. Que t'as besoin de sous? Si t'en as, ça me fera recharger un peu plus mes munitions. Achetez de l'armure. Bon, on va le rab. Je vous veux en vie et en un seul morceau. Ouais, il me manque la dernière arme. Eh, mais si tu pars au moment que je te balance l'argent... Vous vous êtes enrichi. Faites-vous plaisir. Il y avait une caisse de munitions juste là. Pas grave. Z à l'horizon. T'es full point de vie ? Faut y retourner, mes amis. Ouais. Parfait. Pourquoi tu sautes la porte ? Comme ça, ils arrivent que par 3 points. Un à gauche, un à droite et un derrière. Ah, tronçonneuse. Ça arrive à l'étage. Ah, je t'aide pour la tronçonneuse. 3 secondes et demie. Plus de tronçonneuse. Vous avez bien amoché. Il en reste beaucoup. Barbac. À part pour la tronçonneuse et quand tu t'es retrouvé encerclé, allez vous faire soigner. je me suis servi que des petits flingues. Moi je peux pas le ramasser, moi je dois être full. Ah mais c'est quoi? Le petit pistolet de médecin. C'est un petit pistolet normal. C'est un pistolet normal? Ouais. Affichez les commandes d'échange et améliorez votre équipement. J'ai 800 et quelques si t'as besoin. Ça va pas pouvoir me servir en effet. Tu me donnes le surplus, j'ai toujours pas ma. Je vous faut 1100 pour la dernière arme. Oh mon dieu. Ok. Je vais peut-être prendre un gilet quand même. Ah t'es ouf. J'en ai pas pris moi. Tiens, t'as assez pour en prendre. Tu ramasses le petit flingue et tu le vends, ça peut faire aussi. Ne mettez pas du sang partout. Je suis sur le point de perdre le module. Pas vendu le bon flingue. Ah. Non, je vends mon deuxième petit flingue et je reprends celui-là à la place. Ouais. La pause est terminée. C'est parti. De nouveaux aides arrivent. Là, j'ai tout en automatique. On est parti pour faire du. Tiens, suis-moi. On va passer par là. Je te suis. Tu sais que t'as un beau cul. La tronçonneuse a moins aimé. Ici il y a de l'invisible, je vais peut-être te les laisser. Ah vas-y. Ouais. On est en normal pour ce que ça va rapporter de toute façon. Finissez-en à présent. Allez. Ça me va. Ouais, j'ai pris une roquette dans la tronche là. Je l'avais pas vu venir. Au sol, il y a du monde. Je me fais le barbac.
mince. Voilà. Il m'a fait vider deux chargeurs, le coco. Hein. Ouais. Moi, je lui ai vidé un chargeur sur ces trucs, comme ça, il a arrêté de se protéger. Et... Rendez-vous au module. En plus, il me fonçait sur moi, au lieu de foncer sur toi. Comme ça. Cet idiot, c'est fait avoir. Vous aviez l'esprit d'équipe pendant le combat. Eh ben. Voilà. T'as besoin de thunes, il m'en reste en rab. Hein. Ouais, oui. Faites-vous plaisir. Là, j'en ai besoin. Ah, ouais. J'ai ramassé une Winchester. J'ai même pas vu. On pire ça, ça, ça. Et donc, ça. Tu vois, comparé au Fou Furieux, ça envoie quand même pas mal. Hein. Le Fou Furieux, c'est son bon côté, c'est qu'il est quasiment increvable. C'est quasiment. Hein. Oui. Parce que et ça arrive quand même de crever. Ouais, mais celui-là, par contre, il a beaucoup plus de chances de crever. Mais par contre. Bon, aujourd'hui, j'ai de la viande bien ferme, bien tendre, de la viande de barbac. Viens, descendre. On va se les faire d'en bas. Dans cette salle, ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux tourner. Le temps est presque écoulé. Vite! En postant ici, il devrait arriver. De partout. Ouais, moi les spots que j'aime bien c'est ici et au milieu là-bas. Allez sauver le monde. Ah oui, sur c'est, le. C'est deux spots où tu les vois arriver de relativement loin. Bah justement, il arrive là-bas. Attention, ça arrive de tous les côtés. Oh, ah, t'as pris ma balle dans ta tête. Ah mince. Allez. Et on viande. Barbac énervé. Ok. C'est bon. Non, moi. On l'a pris en sandwich bien comme il faut. J'ai énervé le deuxième. Putain, mais la vague est finie déjà. Bah ouais. Ouais, t'aurais pu me le laisser là quand même. Désolé. Le mauvais réflexe. Vous avez besoin de soin. Ah, mais du coup, je me suis soigné. Soigne-toi. Ok. De toute façon, on a plus trop besoin d'argent maintenant. Non. Non, c'est open bar. Il ne reste plus que le boss à descendre. Les commandes d'échange et améliorer votre équipement. T'as besoin de thunes ? Non, c'est bon. Bah, je te la donne quand même. Ouais, je vais triche. 1975. Je propose qu'on prenne le boss dans l'autre salle aussi, parce que ce soit l'invisible ou le doc, dans les deux cas, ouais, pas l'invisible, le patriarche. Si c'est le patriarche, allez, on essaye de le tuer en un coup. Si tu veux. Les aides approchent. Moi, ce que je fais, c'est que en fait, je passe sur ma pas la plus grosse arme, sur celle d'avant, et au moment où il commence à s'enfuir, je passe sur la plus grosse. Ben moi, j'ai trois grosses armes à péter. T'en gardes deux pour le moment où il veut se barrer. Ce qu'on peut faire, c'est souder les portes pour que comme ça il peut pas se barrer. Dernière et chance. Nous, au pire, on tourne dans la salle. Oh, j'aime l'idée. T'aimes l'idée? Ouais. En espérant qu'il arrive pas par une. Bah, on peut souder toutes les portes comme ça il en pètera qu'une de toute façon. Il faut y tourner, mes amis. Ouais, il va arriver par. Bah, c'est le doc. Je dois interrompre un travail crucial pour de minuscules insectes comme vous. Et par une porte qu'on n'a pas encore soudée en plus. Enfin. Voilà, c'est le doc, du coup, ça sert plus à rien qu'on soude les portes. Ouais. Je l'ai dessoudé, du coup. Si on veut se balader. Moi, c'est le doc que je vais dessouder. Il est là.
Ah, il a pas aimé. Il a pas aimé encore. Et il a encore pas aimé. Mais il aime rien ce mec hein. Et voilà. Et voilà. Enfin, je faisais l'imbécile, j'ai quand même fini avec 17 PV hein. 59, mais ça va. Mais j'ai été dans ses balles. Dans ses grenades. J'avais quand même prévu 3 armes contre lui, j'en ai utilisé qu'une seule. Hein. Aïe 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 aïe. Là, c'est moi qui l'ai eu en plus. Je ouais. Pensais pas. Bon. Et bah voilà que se termine ce tout premier let's play sur Killing Floor en normal. On se retrouve bientôt avec sur une partie en difficile avec peut-être Pierrot et peut-être d'autres invités. Pas de raison. Ouais, voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo à mettre un joli pouce bleu et nous on vous dit à la prochaine pour plus de Massacre de Z. Salut. À plus.